Dans cette seconde vidéo consacrée à Arthur Rimbaud, vous pourriez avoir à parler en dissertation du rapport de l'auteur et du poète donc à la nature. C'est un rapport qui est très intéressant parce que la nature, elle va véritablement traverser les 22 poèmes des Cahiers de Douai sous différents visages. D'abord, la nature, donc vous le savez, Arthur Rimbaud est vraiment un poète de la sensation. Je vous redonne lecture de ce poème de deux strophes seulement. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue, rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds, je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux, comme avec une femme. Donc ce poème finalement, il montre bien le rapport de Rimbaud sensoriel à la nature avec l'importance de la vue, l'importance du toucher, de l'ouïe, de l'odorat, le goût et des sensations qui sont très souvent des sensations agréables. Car la nature, pour Arthur Rimbaud, c'est également un espace de liberté. C'est l'espace de la fugue, on le voit très bien dans le poème « Ma bohème » que vous connaissez bien. On peut en lire un extrait. « Mes étoiles au ciel avaient un doux froufrou et je les écoutais, assis au bord des routes, ces bons soirs de septembre, où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. » On voit ici ce que la nature peut avoir de régénérant, véritablement, pour Arthur Rimbaud, et combien dormir à la belle étoile est à la fois une expérience psychologiquement puissante et également une expérience de fortes sensations qui sont, on peut dire, comme... que la nature est une muse pour Arthur Rimbaud et qu'elle va véritablement l'inspirer. Hein. Cette nature, elle est souvent protectrice et maternelle. Elle va abriter les nuits du poète. Il va y trouver refuge à l'égard de cette ville. Vous vous rappelez, nous l'avons évoqué dans la précédente vidéo, une ville de Charleville-Mézières que Rimbaud n'affectionne guère. Et donc, c'est sur les chemins qu'il va user ses souliers, comme lorsqu'il va à Douai, se réfugier chez les tentes d'Isambard. Et donc, cette nature, elle va véritablement le protéger. Hein. Donc, on le voit très bien dans Ma Bohème, où elle est une auberge, mais on le voit aussi dans le poème Le Dormeur du Val, où finalement, la nature est très douce avec le soldat, dont on croit qu'il est à ce moment-là endormi. Je vous relis. « C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. » Donc la nature qui crée véritablement un berceau pour ce soldat, dont on ne sait pas encore qu'il est mort, est un endroit de l'accueil. Donc la nature, c'est une source d'inspiration parce qu'elle libère les sens, parce qu'elle donne accès à la liberté, à l'infini, elle fait jaillir véritablement l'inspiration poétique et vous pouvez utiliser donc ces trois poèmes dont nous avons parlé. Et puis Rimbaud, vous pourriez le dire en introduction ou en conclusion, il est également extrêmement nourri par l'inspiration poétique et on sait que les romantiques font une relation très étroite entre les états d'âme des poètes et la nature. Donc il n'y a bien sûr pas de quoi faire là une dissertation, mais ça peut vous proposer un développement intéressant en fonction de votre sujet. Je vous souhaite bon courage pour la suite de vos révisions.